Et salut à tous les amis, c'est Sarenik. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Ligue des Masters avec Manchester City. Et c'est parti, on y va tout de suite, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, on est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait passer dans la presse et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte pour eux. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait. Fait exemple. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui, ça devient un peu la norme. Agüero, le but! Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Non mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas moi, mais faites-vous des anti-sèches les gars. Ça joue long vers l'avant. La passe est prise. Énorme occasion! Quel but! Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. La frappe! Quelle réponse de Joe Hart! Oh, il y a danger. C'est Mahrez qui... Il prend sa chance! Oh, c'est fabuleux! Quel bijou! Yes! Go! Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout, là. Oh, c'était incroyable. Un but magnifique. Christian Eriksen, qui inscrit là son premier but de la saison. Et ce ballon vers la sur... La frappe! Il revient maintenant tout but vers l'adversaire. Allez, votre analyse, Darren. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent à la perfection. Good qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. L'ouverture sur le côté. Oh, ça peut faire mal! Nouveau but dans ce match! Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Et les défenseurs doivent en avoir marre de lui. Il les a fait tourner en bourrique pendant tout le match.
Oh, Agüero. Agüero à droite. Le bon dribble. Il peut en profiter. Dans la surface. Il peut frapper là. Et c'est au fond. Oh, le résultat est déjà assuré, mais il continue. Il continue. Alors Darren, votre analyse sur ce but? La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds, il termine l'action comme il sait le faire, c'est génial. Il allonge vers l'avant. Christian Eriksen, il tente de la jouer dans l'espace. Sterling, c'est au fond des filets. Et encore un but, ça tourne à la démonstration. Mais quel match de folie! Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Désormais, ils ont l'air intouchables. Tarkowski. Il cherche ses attaquants. Coup de sifflet, hors jeu. Stones. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est joué dans l'espace. C'est bien fait ça. Il va se planter seul face au gardien. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Beaucoup de points positifs bien sûr à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? Déjà, encore une fois, on voit l'importance de marquer le premier but à l'extérieur. C'est la fin de cet après-midi football, on s'est régalé tous ensemble et merci à vous Darren d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur. Salut à tous, on dit que le football est un langage universel, et bien ce tournoi qui s'ouvre aujourd'hui en est une nouvelle preuve magnifique. Chaque continent a envoyé son meilleur club pour cette compétition, alors autant dire que les deux équipes sont très motivées, c'est quand même un joli trophée qui attend le vainqueur de ce tournoi. Nous, au poste commentateur, on est prêts en tout cas à vous faire vivre ce beau moment de football. Le Stadio Olimpico est vraiment une enceinte à l'ancienne avec sa piste d'athlétisme, ça lui confère un charme certain je dirais. Cette compétition nous a fait vivre de beaux moments de football dans le passé. Espérons que cette édition soit tout aussi réussie. Moi, j'aime bien cette compétition. Et je ne dis pas ça juste parce qu'elle nous permet souvent de voyager. Non, sans rire. Je pense que ça permet de faire progresser les équipes qui doivent ici. Agüero ! Aucun rien d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier.
allonge. Oui, il peut frapper là. Il peut récupérer deuxième chance. Le geste juste, capital. Bravo, bien joué. Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Quel attaquant est très opportuniste, oui, mais quelle mésentente de la défense, c'est le bazar. Et ça il décide d'allonger le jeu. Oh, Agüero! Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Eriksen! But! Quelle grosse frappe! Et pourtant, il était loin. Oui, il était concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon. Il a déclenché sa frappe. Bim! Plus rien n'existait autour de lui. Qui tente de belles choses là. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indy. Allez au bout! Eriksen! Et un but! C'est un moment de pure inspiration! Oh, maintenant ça va être difficile de les reprendre! Quelle qualité technique, surtout quel coup d'œil! Il a parfaitement vu le gardien avancer! C'est un but magnifique! On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Pour la défense. Dans la profondeur. La passe dans l'axe. Le bon dribble. Oui, c'est dangereux. Long ballon dans le sens du jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Et l'arbitre siffle la fin du match. C'est un moment important dans leur histoire, bien sûr, ils ne l'oublieront jamais. Ils sont en finale. Alors, que retenir de cette rencontre? Gagner une demi-finale, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont arriver à remporter le trophée? Vu ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je dirais qu'ils ont de la chance. On s'est régalé d'un rêve, vraiment. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde.